Monument emblématique de Bordeaux, classé monument historique en 2002, le pont de pierre fête cette année son bicentenaire. Au programme, des expositions en plein air installées aux têtes du pont, un concours de photos et de nouvelles, des balades urbaines et bien d'autres surprises. Auteur et interprète de tubes incontournables ayant marqué plusieurs générations avec Toute première fois ou encore Johnny Johnny, plus de 35 années de carrière, Jeanne Masse sera en concert ce vendredi soir au théâtre Fémina. Souvenir garanti. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streaming et recordman des certifications, le rappeur Ninho revient avec un nouvel album très urbain et une tournée attendue qui passera ce vendredi à l'Arkea Arena. C'est le nouveau lieu des soirées bordelaises, le Gotha c'est plus qu'un restaurant, c'est un concept. Venez dîner samedi soir dans une ambiance de folie avec danseuses, chanteurs et artistes de bar. Vous allez vivre un samedi soir extraordinaire, un seul conseil, réservez votre table. Si vous ne saviez pas comment faire plaisir à vos enfants, voici le spectacle à ne pas rater. Il met en scène les personnages préférés de vos enfants pour une aventure musicale avec Pat Patrouille. Plein de gags, de rythmes et d'action, vous pourrez assister au spectacle interactif à la rescousse. C'est ce dimanche dans la grande salle Arkea Arena de Florac.